Osée chapitre 4. Joshua chapter 29. Le verset 6. Bensa Mwisambo. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 8. Yona chapitre 8. Verset 1 à 11. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que tu dis? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre sur cette femme. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, acquisés par leur conscience, acquisés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et lui répondit: non Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. La manière même dont vous acceptez, amen, vous acquise. Amen. Nous allons essayer d'étudier quelque chose pendant ces jours qui vont venir. Je vous demanderai d'être un peu attentif. Parce que ce sont de petites choses qui concernent la vie chrétienne.
Amen. Nous allons avoir pendant ce jour une leçon. Je vais les traiter sous de petits thèmes. Petit à petit. Morceau par morceau. Parce que je voudrais que tout le monde comprenne. Alors nous allons les pouvoir de la conscience. Le pouvoir c'est le doigt. Pouvoir de la conscience. Je vais y aller doucement parce que je vais dire des choses de la manière un peu, que me concerne. Ce n'est pas réellement l'évangile pour tout le monde. Ça, c'est pour les gens qui aiment le message du temps de la fin. Si vous aimez le message, ceci vous concerne. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez le message? Est-ce que vous croyez que ce message c'est la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que c'est ça notre absolu? Donc Dieu nous a envoyé le message pour nous ouvrir l'intelligence, pour nous conduire. C'est pourquoi vous avez dit: mon peuple est détruit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ici c'est l'âge où vous ne pouvez pas être détruit parce que Dieu a déversé la connaissance. La Bible dit: c'est qui liront les livres, la connaissance augmentera. Quel livre? Les livres de la révélation de toute la parole. Les gens qui liront ces livres, ils seront épurés et la connaissance augmentera. Et si vous n'avez pas la connaissance, vous mourrez. Ça, ce n'est pas l'âge de Paul. Il y avait des choses qui étaient ouvertes à demi. Mais ça, c'est l'âge de la pleine révélation. L'âge de la pleine parole. L'âge de la connaissance. Remarquez dans le naturel. Il y a eu tellement dans cet âge, il y a eu tellement de la connaissance. Les gens sont allés plus loin dans la connaissance. Et Dieu aussi est allé plus loin avec sa parole. Dieu est allé plus loin avec son église. Frères et sœurs, nous ne sommes pas une église de petits enfants.
Nous sommes une église où la colonne de feu elle-même est descendue au milieu de l'église. Et elle est venue avec la connaissance. La connaissance est la vertu du stature de l'homme parfait. Amen. Amen. Pour que l'homme, un chrétien, soit parfait aujourd'hui, il lui faut la connaissance. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Alors vous n'avez pas d'excuse dans cet âge, parce que Dieu ne nous a pas laissé sans connaissance. Dieu a révélé toute la parole. Laissez-moi le dire de cette manière. Tout le ciel est descendu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Ainsi, vous n'avez aucune excuse. Ainsi, si vous mourrez, vous mourrez par votre propre choix. Alors nous allons introduire un petit enseignement, nous allons prendre une série. Donc, le pouvoir de la conscience. Le pouvoir qu'a la conscience. Amen. Amen. Maintenant, Indio, avant de continuer, je voudrais que beaucoup de gens comprennent ce que c'est que la conscience, parce que c'est un mot clé dans cette leçon. La conscience. Je crois que quand vous avez été à l'école, vous avez étudié la conscience. La conscience. Maintenant, quand vous prenez Webster, Frère Branham aimait utiliser beaucoup Webster. Alors faisons comme lui. Alors nous allons utiliser Webster. Quand vous utilisez Webster, on dit conscience, faculté, faculté, faculté par laquelle nous discernons de la qualité morale de nos actes. La qualité morale de nos actes. La qualité morale de nos actes. Faculté watutukumanya ne malu atututwenza mimba any. Voilà. Faculté par laquelle nous discernons de la qualité morale de nos actes. Et par laquelle nous nous rendons capables de ressentir certaines affections. Donc, vous voyez, la conscience vous fait sentir, ressentir certaines affections. Par exemple, quand vous voyez un serpent, donc, votre conscience vous fait voir que vous êtes en face du danger. C'est la conscience qui vous fait voir ça. Elle vous dit que vous êtes en danger. Quand vous allez dans la prédication, trouvez-je la foi à mon retour? Los Angeles, 1951. Au paragraphe 85.
Frère Branham parle à une femme qui est venue dans la ligne de prière. Et Frère Branham dit à cette femme, il dit, vous avez conscience, vous avez confiance que quelqu'un vous a touché. Donc vous êtes en présence d'un être. Vous êtes en présence d'un être. Vous avez conscience que quelque chose vous a touché. Que quelqu'un vous a touché. Vous avez conscience. Est-ce que vous comprenez au moins? Donc la conscience, la définition la plus facile, on dit que c'est une voix intérieure qui vous dit qu'une chose est bonne ou mauvaise. C'est ça la conscience. Une voix intérieure. Un sens intérieur. Un acte intérieur, quelque chose à l'intérieur qui vous dit qu'un acte est bon ou mauvais. C'est pourquoi nous avons dit que c'est la faculté par laquelle nous discernons de la qualité morale de nos actes. La faculté par laquelle nous nous rendons capables de ressentir certaines affections, telles que le plaisir, telles que la peine, telles que la paix. Donc, vous allez avoir conscience que quelque chose vous affectionne. Vous allez avoir conscience que quelque chose vous fait peur. En somme, la conscience, c'est un être intérieur. Amen. Amen. Maintenant, remarquez. Obstère dit, elle est souvent appelée jugement ou discernement. C'est un juge intérieur. Un juge intérieur. Un juge qui vous dit que l'acte est bon ou l'acte est mauvais. Une voix intérieure qui vous dit qu'une chose est bonne ou mauvaise. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris cette définition? Amen. Amen. Maintenant, ce juge intérieur, ce n'est pas un démon qui parle au travers de vous. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un sens qui est à l'intérieur de chaque personne. Que vous soyez païen ou chrétien, vous avez une conscience. Cette conscience, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas d'un démon. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, chaque fois, quand vous entendez une voix intérieure qui vous parle, ce n'est pas toujours Dieu. Ce n'est pas toujours le diable. Ce n'est pas toujours le Saint-Esprit. Mais vous avez un juge intérieur. Vous pouvez être
vous êtes en train d'aller sur le chemin. Et vous arrivez au croisement. Au lieu d'aller à gauche, vous entendez votre conscience vous dire allez à droite. Et vous allez à droite. Ce n'est pas toujours Dieu qui vous a dit d'aller à droite. Ce n'est pas toujours un démon qui vous a parlé. Mais vous avez une conscience qui vous dit, qui vous donne un certain discernement, qui vous donne, qui vous dit qu'un acte est bon ou mauvais. Je veux m'assurer que vous comprenez ça, parce que si vous ne comprenez pas, alors la suite de la leçon, vous ne la comprenez pas. La conscience, elle est dans chaque personne. Païen ou pas. Elle a une conscience. Et cette conscience, elle nous parle. Elle nous exhorte. Elle nous reproche. Elle nous accuse. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais votre propre conscience. Elle peut vous accuser. Elle peut vous reprocher. Elle peut vous donner un discernement. Si vous prenez dans le livre de Genèse, pendant que nous construisons cette leçon, Genèse 42, c'est l'histoire des frères de Joseph. Et au verset 21, vous vous rappelez comment ils ont vendu Joseph? Nous avons prêché là-dessus à plusieurs reprises. Et maintenant, comment ils l'ont pris? Ils l'ont vendu aux personnes qui passaient. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ça, c'est Joseph qui parle à ses frères. Maintenant, il leur dit, maintenant, si vous voulez revenir ici, amenez-moi votre jeune frère. Verset 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupable envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Toi, Kamona. Nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Donc vous voyez qu'après ils se sont rendus compte. Quand ils furent en présence de leur frère Joseph sans connaître que c'était Joseph, Joseph leur dit, amenez-moi votre jeune frère. Maintenant, quand ils ont compris cela, ils ont commencé à se reprocher, parlant de ce qu'ils avaient fait à Joseph. Il dit, oh, maintenant, nous sommes certains que nous sommes coupables envers notre frère. Car nous avions vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive.
Donc leur conscience commençait à les reprocher de ce qu'ils avaient fait à leur frère Joseph. Est-ce que vous comprenez comme ça? Est-ce que vous comprenez comme ça? Qu'est-ce qui leur reprochait? Leur conscience. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas Dieu. Mais leur conscience les reprochait de ce qu'ils avaient fait à Joseph. Alors ils ont dit, oh, nous nous rappelons de comment ils nous demandaient pardon. Et nous n'avons pas voulu pardonner à notre frère. Et maintenant, toute cette affliction nous arrive. Ils avaient un jugement dans leur conscience. Et ce jugement leur disait qu'ils avaient mal fait. Ce jugement leur montrait qu'ils avaient été coupables du sang de leur frère Joseph. Dans 1 Roi, chapitre 2, voyons encore un autre cas de conscience. La conscience qui vous reproche. La conscience coupable. Ici, dans la première lecture que nous avons dit, nous avons vu la conscience reprochée au frère Joseph. Maintenant, dans 1 Roi chapitre 2, verset 44. Et le roi dit à Shimei, tu sais au dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. Udumumanya ni munda mwa moyo ba mala mabiyosuru mwikala mwenzela David. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Yehowa nya udu kwalujilo bubi bweba hamutu webe. C'est le roi Salomon. Mukalenga Solomon. Quand tu es devenu roi, maintenant il parlait aux gens qui étaient avec son père. Et il y a certaines personnes qui avaient contribué à chasser David du pouvoir. Et David avait fui. Maintenant, quand David est mort, son fils est devenu roi. Maintenant, il a appelé l'un de ces gens-là. Alors il dit à cette personne, il dit, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. Donc tu vois ta conscience. Ta conscience te reproche de tout le mal que tu avais fait à David mon père. Alors Dieu fait retomber ta méchanceté sur toi-même. Alors nous voyons qu'encore une fois, la personne était mise face à face avec sa conscience. Ils avaient été mis face à face avec sa conscience. Et maintenant, quand il était devant sa conscience, sa conscience le reproche de quelque chose. Maintenant, remarquez. Je ne connais pas ce que vous avez dit contre moi. Vous trouvez dans de certaines églises ce qu'on appelle le don. Ce n'est même pas Dieu qui a parlé. Ce n'est même pas le démon. Mais la personne elle-même. Pas Dieu. Pas les démons. Laissez Dieu tranquille.
Ce que nous devons faire, c'est dire à la personne de se taire. Parce qu'il faut au moins que Dieu parle. Nous respectons Dieu. Où c'est le démon? Nous chassons le démon. Mais si c'est toi, nous te demandons de te taire. Amen. Amen. Matthieu chapitre 27. Voyons un autre cas de conscience. Je suis certain que cette leçon va aider beaucoup de gens. Verset 3. Alors, Judas qui l'a délivré. Jésus. Fut pris terriblement. Et rapporta les 30 pièces d'argent au présupposé sacrificateur et aux anges. En disant, j'ai péché en livrant les animaux. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Donc vous voyez que Judas, après avoir livré Jésus, après, peut-être il pensait que Jésus allait faire quelque chose pour sortir de Judas. La Bible dit qu'il fut pris par les remords. Maintenant, sa conscience fut chargée. Sa conscience le reprocha. Il dit, tu as livré un sang innocent. Il a pris les 30 pièces d'argent. Il est rentré avec les 32 ans. Il a libéré votre argent. J'ai libéré ça, innocent. Le principal sacrificateur lui a parlé. À cette heure où tu viens, vous êtes en retard. Cela ne nous importe pas. Ce n'est pas notre problème. C'est la dégâts. Pourquoi? Sa conscience commençait à le reprocher. Maintenant, qu'est-ce que la conscience? C'est un juge intérieur. Ça peut ne pas être Dieu. Non. Ce n'est pas Dieu. C'est pas un démon. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Hein? Est-ce que vous me suivez? Vous allez comprendre quand nous allons commencer à décoller. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de vivre. Vous savez, vous trouvez dans certaines églises ce qu'on appelle le don. Vous savez, ce n'est même pas Dieu qui a parlé. Ce n'est même pas le démon. Mais la personne elle-même. Nous respectons Dieu. Où c'est le démon?
la conscience. Un juge intérieur qui vous parle. Je dis, elle peut vous reprocher. Elle peut vous parler. Elle peut vous exhorter. Elle peut vous aviser. Amen. Maintenant. C'est pourquoi on. Amen. Maintenant. Pindio. Cette conscience. Yeye muntu wa mundeu. Agit. Uju kwa tamudimu. De la même manière. Mumu shindu umo umwe. Que le Saint-Esprit peut agir sur vous. Uju nyuma mwipe mwaku kwa tenebe mudimu. Le Saint-Esprit. Nyuma mwipe. Peut vous parler. Uju mwaku kwa gula nenebe. Amen. Est-ce que tout le monde a compris la définition de la conscience? Est-ce que tout le monde peut dire Amen? Ok, c'est en train, n'est-ce pas? Pour qu'on n'y revienne pas. Maintenant, rentrons dans notre texte. Nous allons baser notre pensée. Jean chapitre 8. Que Dieu m'assiste à dire ces choses correctement. Maintenant, quand nous venons dans Jean chapitre 8, la Bible dit que Jésus s'était rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Oh là 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 là. En présence de tout le monde devant Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a dit de telles femmes, il faut les lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu nous dis? D'abord, ces pharisiens, ils n'ont même pas répété la loi de Moïse. Ce n'est pas comme ça que Moïse a dit. Moïse lui a dit, si un homme et une femme commettent adultère, Benda Masandi. Alors on prend les deux. Et l'homme et la femme. Tous les deux, on doit les lapider. C'est ça, c'est que Moïse a dit dans la loi. Mais ces gens ici, ils coupent la citation de Moïse. Ils prennent un bout de la citation de Moïse.
Il laisse un autre bout. Ils viennent pour essayer d'éprouver Jésus. Mais Jésus qu'il voulait éprouver, il était la parole. Vous ne pouvez pas éprouver la parole. Au commencement était la parole. Maître, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Mais oui, vous l'avez surprise. Mais où est l'homme? Où est l'homme? Parce que les deux doivent être lapidés. Les deux doivent être. Ils sont venus avec une parole coupée, une citation coupée. Parce qu'une citation coupée ne vous donne pas la vie. C'est pourquoi Frère Banam dit, ne coupez pas les bandes, ne les faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Couper les bandes, ça commençait du temps des pharisiens. Ils ont coupé la citation. Ils ont pris la citation de Moïse. Ils ont coupé. Ils ont enlevé une partie. De telles femmes, Moïse nous a dit de les lapider. Non, Moïse n'a pas dit de lapider de telles femmes. Moïse a dit, prenez la femme, prenez l'homme, les deux doivent mourir pour leur péché. Amen. Amen. Maintenant les pharisiens, quand ils ont vu Jésus écrit, la Bible dit, accusé par leur conscience, ils ont commencé à se retirer. Accusé par leur conscience, pas accusé par la parole, pas accusé par Dieu, pas accusé par le Saint-Esprit, accusé par leur conscience. Leur conscience les a montré qu'ils avaient mal coupé la citation de la parole, qu'ils étaient venus devant Jésus pour l'attraper et qui n'ont pas pu l'attraper. Savez-vous, vous ne pouvez pas attraper la parole. La parole est Dieu. La parole est au-dessus de toute chose. Vous ne pouvez pas attraper la parole. Amen. Amen. On voulait aussi attraper Frère Banam. Lui aussi était la parole. Vous vous rappelez les 300 prédicateurs à Chicago? Ils voulaient le coincer. Ils voulaient l'attraper. Mais l'ange de l'Éternel était venu. Il a montré même la disposition de la salle. Comment toutes les choses devaient faire. Et le piège s'était disloqué. Oh, on ne peut pas attraper la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous dites amen? Vous dites amen. La parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Pasteur, où est-ce que vous voulez nous amener aujourd'hui? Je vais vous amener à quelque chose de très profond. Maintenant, la conscience, je vais vous aider pour que vous puissiez bien comprendre. La conscience, c'est comme un disque dur d'un ordinateur.
Vous connaissez l'ordinateur? Ordinateur bon. Qui ont déjà travaillé avec l'ordinateur? Très bien déjà. Vous savez qu'on dit maintenant que quelqu'un qui ne connaît pas l'ordinateur, c'est un alphabet. Donc nous ordinateur. Donc vous êtes des analphabètes. Parce que maintenant tout se passe par l'ordinateur. Donc la conscience. Maintenant commence à faire attention. La conscience, c'est comme un disque de l'ordinateur, disque dur de l'ordinateur. L'ordinateur, il a un disque. Et dans le disque là, on donne les données. Maintenant, quand vous travaillez avec l'ordinateur, il ne vous donne les résultats que des données qui sont dans le disque dur. Ah, bintu bidi ordinateur kuheshiye bigeni bidi bifundi bumunda mwa disque dur. Vous voyez, nous avons un ordinateur ici. Nous avons mis la Bible là-dedans. Nous avons mis le message de Frère Banham là-dedans. Vous avez mis le message? Le message de Frère Banham est là-dedans. Nous avons mis les cantiques sont là-dedans. Maintenant, quand nous disons, chantons les cantiques 36. Lui, il tape. Il y a une base de données. Il y a une base de données. Maintenant, nous disons cantique 36. Lui, il tape là-bas cantique 36. Et nous avons à l'écran cantique 36. Maintenant, ne sorte de l'ordinateur que ce que nous avons fait entrer dans l'ordinateur. Quelque chose qui n'est pas là-dedans ne sortira pas. Est-ce que vous comprenez cet exemple? Il faut introduire une donnée. C'est comme ça avec la conscience. La conscience émet des avis par rapport aux éléments qui lui sont communiqués. Quand un enfant naît, il a une conscience. Mais cette conscience-là, elle est comme un disque dur vide. Maintenant, il faut qu'on commence à introduire les éléments. Et ces éléments-là, ce sont les éléments qui vont réagir dans la conscience. Si ces éléments ne sont pas dans la conscience, ces éléments ne réagiront pas. Donc la conscience émet les avis. Parce que je vous ai dit que la conscience est un juge intérieur. Elle est juge pour juger. Il faut que le juge reçoit des éléments. Alors quand le juge reçoit les éléments, le juge émet des avis d'après les éléments
qu'il a reçu. Est-ce que vous comprenez? Les juges aimaient les avis d'après les éléments, les dossiers qu'on lui a donné. S'il n'y a pas de dossier, le juge ne peut pas émettre un avis, c'est difficile. Maintenant, la conscience est un juge intérieur qui met les avis à partir des éléments qu'on lui donne. Ces éléments-là peuvent être d'ordre culturel. D'ordre culturel. D'ordre culturel. D'ordre racial. D'ordre ethnique. D'ordre religieux. La conscience reçoit les éléments. Je préfère que tu dises Kondo Kamoyo. La conscience reçoit les éléments qu'on lui donne. Ce sont les éléments que nous mettons dans les disques durs. Ce sont les éléments que nous mettons dans la conscience. Peuvent être d'ordre culturel. Peuvent être d'ordre racial. Peuvent être d'ordre ethnique. Peuvent être d'ordre religieux. Maintenant, ce sont les choses qui entrent dans la conscience. On a programmé ces choses-là dans la conscience. Et quand on les a programmées, à des temps et à des temps, ces éléments vont réagir. Ils vont réagir. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple pour vous aider à comprendre. On raconte. Je n'ai jamais vu, mais on raconte. On était à bord d'un véhicule. Il y avait une dame qui était assise. Puis après lui, il y avait un monsieur. Puis je suivais. Bon, sur la route, vous savez, nos routes sont très mauvaises. Alors, la maman là, je ne sais pas, dans la secousse, elle a piétiné le monsieur qui est là. Et une discussion s'est engagée. Vous savez comment les mamans ont commencé à parler. L'homme dit, c'est toi qui m'as pétiné. Maintenant tu commences à parler encore. Alors l'homme aussi s'est fâché. Il a commencé aussi à parler. J'étais à côté. Maintenant, Chinchi Chamuntu Mulumo Kuyitachi. J'ai regardé, je n'en revenais pas à mes oreilles. Un jour, il y a notre région. Quand quelqu'un tue un être humain, et il mange la chair. Dans sa conscience, il n'y a rien qui lui dit qu'il a mal fait. Est-ce que vous me suivez? Cela n'est pas programmé dans sa conscience. Pour lui, c'est normal.
Sa conscience ne peut même pas le reprocher. C'est pas écrit dans sa conscience. Le disque dur de sa conscience rejette les données. Où est le problème? Nous l'avons trouvé. On était affamé. On l'a tué. On a mangé. C'est une viande comme toutes les autres. Parce que Katala, il me dit que là où il était parti. Entre parenthèses, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne dis rien. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas programmé dans leur conscience. Leur conscience est vide. Ce n'est pas un élément dans leur conscience. La conscience ne réagit que suite aux données que vous lui avez données. S'il n'y a pas de données là-dedans, alors cette conscience ne réagira pas. Mais si vous venez ici, que vous tuez un homme, même si vous fuyez, on vous regarde seulement comme ça. C'est quoi votre conscience? Commence à vous accuser. Parce que c'est programmé dans votre conscience que tuer un homme, c'est mauvais. C'est programmé dans la conscience. Mais pour un autre, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème. Allez en Inde. La vache en Inde est sacrée. On ne tue pas la vache. La vache, on l'adore. C'est un dieu. On pense même que en Inde, on pense que la vache là peut être votre grand-père qui est revenu sous la forme de vache. Alors si vous tuez la vache, un indien, il a un problème de conscience. Parce que depuis le jeune âge, on lui a dit, tu es une vache mauvaise. Tu es une vache mauvaise. Et cela est en train dans sa conscience. À tel point qu'il comprend que tu es une vache mauvaise. Est-ce que vous comprenez? Allez dans de certains tribus. Supportez-moi aujourd'hui. Alléluia. Allez dans certains tribus. Il semble que tribu il y a des gens qui ont été en charge. L'intonation qui est différente. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Si toi tu t'en veux, mon tout du nom que j'ai, que je me sers là comme ça, normal. Vingez-vous? Loin de mon que j'ai. Oui, que le mon que j'ai. Est-ce que vous avez un bon moment de vous?
Il s'arrange. Boba mona mwenyi mulomu mumusokom mulopsumba na shimindo. Il s'arrange. Wana mwenyi akabwele muzukuma mukacha. Pindye wu pati boba jarange bakwata mwenyi muzukomo. Pindye mwenyi dufuta. Dufuta bintu. Bamkwache. Ufuta bintu. Mani ni mjiba kati yitu foto. Muka je, muka kabila bayenda. Badan bahingana, basomba, badan shimayabu, batungunuka, bayakumpala. Mukonfiansu wabu, kimbu mvububu ni kujubwanu tu. Nurubumu. Kimbuvo kuni kujubwanu tu makelele udi were prendre kabiji jabobo udi were prendre kabiji conscience wabu mutu wabu bintu abi kabiena programme kimbi boje mu conscience wabu tu kacha habu bakola bachiribana bateketa mbakola Benda bumvuni bintu abi kibiobi. Bumvuni kimujihani. Nubante deja? Nubumvu bini ngamba? Vanu nuluku nwebu. Nunu sanga na bambani. Muka shinijifu. Kenu sambu kamonji wambushi. Bintu bidi bato aje ku programmer bele mu conscience ku bwana bele mu conscience muka jini jufu ke nous sommes comme un jambu muka jini jufu ke nous sommes comme un jambu muka jini jufu ke nous sommes comme un jambu we mu sambu comme un jambu je kudu futa zo we mu zo to ka kwe na boru bwane nchibinji anyi nchindi to c'était seulement ba kulumpa bu bavuni lungenyi batwaje je kulonga sheni mukaje bumujini jif mwonjo mbujuru moko mukwata kumukolo yeye kutetuka kujishinda urimo kututa jifu hashi mwana urimo kupeta problem mukaje nijif keno samba kama jambo ke mukaje awu do sana mwonjo jambo jabo luka tututu uyi a biji programme mu conscience. Nous bantons déjà. Tatoué baye ou finga, zubukulu, qui kadi mouish moi, on se bouton. C'était quoi? Bantu bakala, bafou bavoir, bavale, mi pan moutou vale. Babavala, chintu chenzo boubou du houi, mouish moutou. Donc, papa kandi kabane, tatoué baye ou imanakou, mouim koudi. Ou finazu, ou moui kalamouishi monsbom, mais soit Djakouf. C'était une pédagogie où vous bende belong chenenda ban. Nankoupana papa manamu papa ou banda koulubaku finazubu, bon soubaye. Bintouabi, bavou bende babiela, mou conscience ou abantu. Bende bisomba, bende bisomba, bende bisomba, bende bikona. Muntu ukona, bende bikona. Muntu ukona, bende bikona. Ni musukume bishabwana. Kache duwa kole ni munu jemu. Nukaribo muna kalasa, kabantu basomba, balonga shabantu maloka bukulu. Nukaribo kama. Kapama mbonsu manu bomu na mbamaye maloka bukulu, badibaji na biku. Mbalongele he ha kubanga kubwana bafu bende bele morjinate bele morjinate bele morjinate haya ya kwenu we mu yokwenu we mu tohansh kukwataka jinship hadi uya ujudu manini watu hansh uduwenze bishi
C'était un système moins Il y a un système de contrôle. Mutek, où tu veux que tu me mettes en conscience. Mbintu bidi programme
conscience ya bank bidika biji janzambi to njengamba ni bidika biji janzambi to njengambulule ni bidika biji janzambi to tutu ebe ye mkubiki. Bon, basse de mon nom, je suis un peu plus de temps. Si il n'y a pas une cérémonie, si il n'y a pas quelque chose autour de ça, où tu tiens ce problème parce qu'un certain prédicateur vous a dit que cela est mauvais. Il faut monter disque dur de nouveau. Mujiske jiru mushala mujija nzambi. Bakulumbuli shanu nijija nzambi. Mwaba udijija nzambi wa umufu wa tudituhu wa. Mwaba udijija nzambi jakula tudituwa kula. Badiba kweje mu conscience. Conscience. Pour recevoir le ngakulen chinchika walchen men bu kolo ba muntu ni muntu to passe de mona na bagage je me rappelle quand c'est le chemin na bagage makuta vu bu bampa biom ndi mo sumba koka bantu bana ma be udi ni bana bu pichi n'y a rien. Voilà qui dit ensemble tout. Church mon conscience weba, intidi bobo komini shuti vumwan. Ukole chende chikol. Je peux prendre ça. Il y a un frère qui est chasse. Je n'ai pas de génie. C'est le moment de l'avoir. Même si vous voulez. Il y a un pingan. Il y a un chien. Le pasteur. Il y a un frère qui est en train de toucher l'enveloppe pour ma belle. L'enveloppe est en train de toucher. Il y a un moment de l'avoir. Il y a un moment de l'avoir. Il y a un mini qui est en train de toucher l'enveloppe. $100 into me. Di baji me ma kumoni. Chichin tuto. Ibu kaki mudi nzambi wa zamalu no. Udu ufuto kujim. Ufuto niku biya chana na video baku fesh. Kwa ni mchipo. Pase katalai mose le shimane ndo abakashi. Ba filobi umma ye ko biige le pasteur ma lundo wet wal munti on sudam ne wendo ce n'est pas contraire à la parole wal bible du wambani muyiji uvu yezu mutamba kuna en parlant des gens le kelai ci bon sante bu ko bu bintu bi de kabi programmer to. Nous avons bien tout de suite programmé. C'est le moment de faire. Vous avez une chance 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 de faire. Makutaja, ushwa, aja, to baafu dinka bita, biume bimbe bogo koko, peshata, we mubem unto ajeleme,
Le coutume du peuple. Ok. Coutume du peuple. Coutume en bonne quoi, Bachiman. Coutume en bonne quoi, ben, mode de vie ou à Bantu, ne Bantu. Le Baman, il y a un chemin, coutume en wet. C'est notre coutume. Bantu pense que bien, on va dire un chemin. Bintu bidimu via bantu bantu bese musombelwa qui n'ont rien à voir avec la parole bintu bidimu sombelwa bantu abunanku ido shoko kuneko. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Frère, pasteur, je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Ou bien le moussa le débat, ou quand le maïkoumoulon de vous, Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Bien, 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 bien
changer les éléments. Donner au disque dur des éléments nouveaux. Les éléments nouveaux, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole, quand on m'a jugé, mon truc a été dans un binage. Moi, je dis, Badji, nature, nature wende il y a des hommes comme ça ba jikapa ibamanya kusombato ba jikapa ibamanya douceur kimbamanya douceur nchinito. Non, un homme, il faut que nous esprit wamukaji mumuluma uruambani l'esprit wamukaji c'était l'esprit d'amour. Chintu chakuna. Ruambani ont à vous, nous nous baluma, badika baye bachérir bakaji benito. Bintu bidi bien mou conscience, programmer mou conscience yen. Parce que bon mou bayon sou endendeu, mokaji mouhik. Pasteur, mon tout mou soumbani bioma bian. Non, ça c'est pas chrétien. Je vous dis, ce n'est pas chrétien. Faut bien nous ouambani, zambi mou koufé chez mou kaji comme aide. Non pas un paillasson. Kinchin tu chakou koufé le bi. Non, amalwa baka kweb. Macha baka kweb. Adjiboube le mou disque dit. Attends, je peux réagir. Mon kaji, ce n'est pas un bien. C'est un être. Zambi kwele mashihanshi bweba. Et il a versé son sang de la même manière. Bon, moukashi kabichi. Ça, c'est un esprit kassayen très têtu. Un esprit mauvais. Moutou yonsu, ou du traité moukashi comme un être inférieur. Comme un sous-homme. Un sous-être. Mon mystère est d'un zambi ouais. Quand on fait comme ça, on doit en être le badji. Nous n'avons pas tant le mystère et un badji. Badji mille mais les parties nobles y a monte. Badji qui dit mille ma moye, qui dit mille le bisulusulu, qui dit mille ma foi. Bon, chintu pop. Badji dit un jour quand ça biche, y a morti. Moukaji, c'est votre protecteur. Un autre vous-même. L'os de vos os et la chair de votre chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle est venue de moi. Bon, nous disons que nous sommes sans billet. J'ai dit à une jeune fille qui était venue me dire Bois du bac. C'est normal, c'est tout à fait normal. Beaucoup désirer bois du bac. Mais vous, moi, Mbilene, maman, je me manie même. Peu importe, je me suis dit.
quelque part. Moi, vous vous faites le moulubadjaw. Moi, pao. Qui vous a dit que vous avez dit que vous avez manifesté un pindéo. Peu importe, moi, pao, y'a que vous manifestez. Nous avons dit que nous sommes bientôt 35 ans après le commencement. Rien ne sert de. Non! Soyez calme. Ou y'a que vous avez aventurier, mon quoi. Zambi, soyez calme. Zambi n'a qu'à le loupadji, le djoulou kumbana, le loupadji le. N'a choué mon tout le monde qui a dit la même chose. Où est-ce que vous dites cela? Où est-ce que vous dites cela? Mais je vais dire que vous avez beaucoup de choses. Je vais dire que vous avez beaucoup de Saint-Esprit. Qui m'a mené beaucoup de choses que le Saint-Esprit? Ma loi, vous pouvez tuer le mot ordinateur, vous pouvez tomber une bague, j'ai beaucoup de choses à boulanger. Vous pouvez le mot ordinateur, il est tout à calme. En tout cas, fomenter l'ordinateur, la Bible, tout à bien en ce moment. Mais tu as mis le mot que je vois, c'est là, moi je vais vous mettre. Nous avons le bain de Baba que je vous balle au contour, mais bien sûr, nous avons dit, bien sûr, vous avez le bain de Baba, les jeunes ne tiennent pas de comme nous. Quand il t'a dit, le matou, comme ça, bon, c'est le moment où nous l'avons dit. Bois cher, bois chic. Moi, je suis un Zambouane, wajik. Ou un manu coupé, tu veux ou keba. Je suis un bilan de jajik. Donc, pour du bien tout, pour du bien de batouela, mon conscience. Pour un autre colonel, mon conscience. Qui bon le caille, mais du bambin bajufa, accusé par leur conscience. Pour du bien tout, pour du bitoulumbu lui chez mon conscience y est. Mouchala moudia le kubushika, boachintu, chukute comme conscience, kachi di djazambi na chaka kesa to. Di djazambi di bala moumoukanda wazam, di bala moubroshi, adi du kou condamné. Chintu chons tudu kou moukoubele ni moumoukanda wazam. Enlevez ça de votre conscience. Quand tu es là, 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 tu es là. Je ne sais pas si vous avez dit que frère, vous avez tout tout qui veut bien de bien de comme mutué. Qui veut bien de bien de comme mutué. Pasteur, quand il y a beaucoup de monde du bac, le pasteur, moi, Béo, papa, vous m'entendez, Mélanie, quoi, nous m'avons seulement que je vois, quoi. Une citation, Kai. Verset, Kai. Puis, nous, tchata, toi, et Bamoukou, Mélanie. Ou de mouchana nach qui tu du jugé nach. Ou quand nous je comme belle bon, le bouquet pour banga belle ou de papa ni, mouka je vois pas quand qui m'aime à côté. N'y m'a pas de bonne convoche pour papa, mon ambel, bon, bon, mouka je vois pas quoi. Chidi hegne mouji d'yazam. Chidi citation kai. La seule chose où nous concernait mariage.
Zambi mutu ambile ni selemu kaje mule jobo chakabichi. Un point entre. La deuxième chose, où dit frère Branham m'a ajouté, moi mbani mutoka kase ni mushika. Kwa shik. Yeye muka jwaba fik. Nashi yeye wahen. Nashi yeye wahen. Yeye muleji mucha kabichi. Pase. Kadudu wambe bishibwa wa kilitiri. Kilitiri sindemo. Kilitiri kinji janzambito. Muntu yonsudu muleji mucha kabichi. Ou du conduit à nous coudjidjid ensemble, quelle que soit sa race, quelle que soit son ethnie, quelle que soit ni mwakwe, ni mwakwe, tchintu tchidjamu tchimuchi tchilombo le mountu, ou du moulin di bo tchakabid, tchidi tchikouverne mountu, du moulin di bo tchakabid, à nous djidjid ensemble. Nous n'en pas maintenant. Donc, tu dis que bien, tu bien bon, mon conscience wet. Le bien le chemin qui bien de gendre pas quoi. Je parlais avec un frère qu'un frère pasteur au Timbé Misambwe. Hein? Toto, pasteur Ndaya, merci. Vous m'appelez les frères de mon pasteur Ndaya. Je dis, pasteur. Nous ne sommes pas venus. Je ma canette. Je ne mal à Michel de Michelin. Je canette. Dit ben le coca canette mais le jus canette mais le bière mais bière cabillée alcoolisée tout donc elle le quoi parce que bois montuyer mona dit canette ca bière rambebiche. Je vois pas de problème, il n'y a pas d'alcool. C'est passé. Bidibi fait tout comme tout ton monde bière. Ben oui, ça c'est. Mais les ingrédients, il dit mi funda. Qui me fonda à Chito? C'est très bien. Hein? C'est une forme ou sainteté ou de diesel. Quand je suis intelligent, non, pasteur, vous dites mon nom, vous dites que vous dites que. Mais tout ça, c'est bien, ce sont des explications. Bien, ce Bobiloa, que j'ai zappé. Vous tout quoi, vous, même quand on est ordinateur. Eh, ça me compte. Je suis tombé sur une citation, Fabana Mambani. Vous êtes mona, vous êtes mon quoi. Même quand soyez les bienvenus. Même quand on est frigo ou déjà. Frigo. La bière non alcoolisée. Même nous là. Bouchemoudine, même nous n'y avons frère. Arbitre ou arbitre wakul mbala mo xagn ko chek
Je ne veux pas une liberté qu'un homme me donne. Je ne veux pas boire ou mon conscience va dire pas m'introduire même les données religieuses. Les données religieuses, mon conscience. Mon but est de vous faire un peu de temps pour que vous ayez un peu de temps. Explication bim, c'est vrai. À tout vous bon voit, il ne fallait pas qu'on voit. Bon, quand une pignon, loi, une moulambo, on ne go pas l'an. Adjé. Bon, tout le monde, ma chère Yézo, à Kama, tout le monde, le man was. Kumpe katu yons. Non, pasteur. Va que je mets l'Égypte. Non, pasteur. Je pèse une minute avant la bataille. Va que je me bille, pasteur. Quand nous parlons de la sainteté, je me suis dit que je suis là. Moi, quand nous parlons de la sainteté, je me suis dit, malo à la bataille. Malo à Bandumba, pasteur. Je vais prendre un peu de l'Égypte. J'ai beaucoup de ton numéro, il y a beaucoup de l'Ompé de l'Égypte. D'ailleurs, mon coup, il a ma bibi col. Mon coup, il a ma bibi. Jip, c'est mieux que Mahoui. Un peu de petites choses, que ce qui dit le coup de Djanzambi. Non, le Kelaï dit Djanzambi, ne dit Djanzambi, Kayadji. On n'a pas besoin d'une sanctification supplémentaire. On a besoin de la sanctification qui vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, seul.
ta parole les a sanctifiés. Vous êtes tous purs à cause de la parole que vous avez entendue. Pas à cause des traditions. Pas à cause de Bintou, Bidje, un prédicateur ou Mona, ou expliquer, ou ajouter, ou vuis-je, c'est très bien. C'est très, très, très bien. Nous sommes quoi, bon? Tu veux me tiens ça comme toi? Han me l'occupe tout, nous sommes. Vous me soumettez au romain, moi, le mouché. Moi, ça nous boucole. Nous pas mener au romain. Quand tu vas mener toi? Ah, ne te pas vous me Je suis un peu plus de temps. Votre vie spirituelle, quel n'est mon coup que le plus haut que celui de votre pasteur? Mais Branham, c'est mon pasteur. Donc, même si mon coup le wadji, je le coup de la donc, laissez mon tout, bamou juger. N'en parlez même pas. Ce n'est pas l'objet de notre discussion. Tout discuter, moi, bidi bifund. Bidi kabi bifund, kim boalu boi tuto. Kuchambi na sheni nchibi to. Wadu udu chambi ni nchibi para raporo akwa. Pastor. Kani mujibu benzemu. Branda mamamba heni. C'est une question. On peut vous retourner la même question. Mujibu benzemu. Branda mamamba heni ni kabenji. Tu vois cette question là. Mujibu benzemu brana mamwamba heni. Mujibu benzemu brana mamwamba heni ni kabeji.
ce qui n'est pas interdit est permis. Ce qui est interdit n'est pas permis. Mais ce qui n'est pas interdit est permis. Sur une question ou du loi que vous traitez tôt. Jamais. Bidibi kengele ni infraction ou du mouye nenda. Ika le traité mou mei ni mikandu ya jetou ngad. Pinje bidi bambu le mei ni mikandu bateka hanch. Bambu ni chou du mouye zeche mei ni mikandu miambano. Mon bout du main ni quand que bibia pour lui ou ya que fondé le monde moins dit qui moins dit tout moi tu mon aimé na chewe wo wende wo je bibota wo le bisu bu mon jeune wo ou du côté d'un jeune. Quand il y a un quatre même, le frère Louis Toutouen de wa Caleb. Caleb, frère Louis Toutouen, ben oué que Toutouen. Caleb, qu'est-ce que tu as? Louis Toutouen de. Même le Toutouen de wa Caleb. Tumbuka, ku Manchester, bay batangela, ku Écosse. Mumashi. Sombe bibota tendo tuje tendo tuje mtu vukati baje kumbele to pinje m kombula nje tubote chishika ale kwa ke chef fenetra ngambule chibota ale kuma fa fenetra ngambule chikwa ale tendo tuje ale ngambule kupa fa fenetra lui ka fumera marketo. Je me vois le monde, mon métal, mon machine à banque. Ouais, 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 ouais. Louis, toi, toi. Ou vitesse normale. Tout bien, c'est chiant. Allez, machine à l'eau, pour tout dire, rendre compte, mais vous, ben, Zabo, toi. Tu es une machine, tu es un policier. Policier autour. Moi, je suis un bisou, bien, 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 bien. Où est-ce que vous avez mis ma chambre? Même le même. C'est contraire à la loi. Je suis un peu plus de temps. 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 Fondé numéro, il y a visa, numéro, il y a entrée, allez, amende, 40 pounds, amende, 40 pounds à un moment, $80. Bon, bisous, boubi, abu, botte, bibi, bibi, manger, manger. $80, oui, moi, je ne peux pas croire, hein, je m'en couille, manger, n'achète pas, n'achète pas, n'achète pas, n'achète pas, n'achète pas, n'achète. C'est vous, mais ici, c'est pas comme ça. Non, nous foutons. Peut-être que vous foutez. Bon, nous nous foutons dans mon loi. Ou encore, tu as un peu de temps. Qu'est-ce que tu as? Loi, nous, 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 nous. Donc, monde moi conscience. Tout dit que bon boy le chin tout chin. Tu moi hen à mon jeu d'ensemble. Moi, moi, quand le bien tu peux avoir bien sûr, tu es reformanté le disque dur. Tu fondes le disque dur, Jacobich. Bon, comme moi, quand le chin tout chin, quoi, bouchin, moi, que boy le mouton. Conscience, ouais, tu à mon jeu d'ensemble, d'un zébiché, dit qu'à la mort.
amuji janza mjezo bishi ditulombuleje muntu haji ulobo akwambile muntu bwalo ikale ndichididi janza bijamba wewe kuni chididi janza bijamba to ujikila ujikila ngati njirishi musamgo abo tetu kuma nana ni bana betu babidi babu batiskite habal bo ko defriser souki ade batiskite ba pour la bo vraiment a une discussion animée je pas le bon quoi et au voir moi pasteur mon quoi et wa ma passer mon quoi bon subir la compote pindio même jimbele na compote et wa ko to to pasteur du monde pindio wo pedi muntu de frisen suki les cheveux se coupent pindio wo du monde amen bon brana mo mo ko le bois les cheveux qui se coupent ani mo ko le bois baka je vais du couper il y a une différence entre les cheveux qui se coupent et une femme qui coupe les cheveux. Français, signé le noué. On a un chichisok tchatchana en aide. Hadou en attam chisokoué le nou. Les cheveux se coupent. Nous n'en bébé. Brenda me parle de la femme qui coupe les cheveux. Il ne parle pas des cheveux qui se coupent. Les cheveux qui se coupent et la femme qui coupe les cheveux sont des choses différentes. Même Jintucha, Momoni, et tout le monde est bien. Pourquoi je suis en train de faire ça? Je suis en train de faire ça. Je suis en train de na shiche tu chambaleji yeye mwela munungu suki diko saka momo ani njinjini angi gala mdu kabi momo sunu namba ntopa seri mwini mwamba mge momo diko saka we ulala ute kumutu hamusa kuturu wakudumuka kumutu hamusa le cheve se kupu mula la mutek mutu hamusa donc boyo yukube ngo kuse kupe anuko yuele chisa kuto il y a des petites choses comme ça hein, bantoube non laissons ces éléments là allons tendons à ce qui est parfait faut bien nous dire laissons ces éléments là Hébreux, toutes les petites discussions, tendons à ce qui est parfait. Donc, qu'est-ce que tu dis parfait? Moi, j'ai dit, je suis un peu de pommade, voilà, de pommade. Allez, je suis un peu de wabi. Et le tissu, je suis un peu de pommade. Et le Biadi Janzambi, Bidibrana moi baby, moi ben laisser la femme arranger ses cheveux comme il veut. Moi qui commission ou dit ça j'ai l'écriture. Ou d'abord c'est la seule commission ou dit ange mon ambila, c'est de dire aux femmes de ne pas couper les cheveux. Ange que moi ben que les cheveux ne se coupent pas. Donc, ange que moi, madame. Madame, madame, la seule parole de Dieu nous fait compter.
mettons notre propre nature, notre propre manière. Nous, bamanye frère, chaque pasteur, yeye muji limité sur ce que la parole de Dieu dit. Nous tous une nature, wenda, udini wenda, wenenu, udini bionsu, tout ça. Nous sommes arrivés au Vancouver. J'ai discuté avec quelques frères et le frère Tom qui est le beau-père au pasteur. Je disais, pasteur, je n'ai rien contre mais ce que je refuse, hein, vous en faites là, mes derniers. Pas seulement mes derniers, là, quelques soeurs. Pas mon bras, mon tabernacle. Photo, il y a des mimes. Moi, vous dites que oui, citation, photo, de régler bon. Tant que là, il bite bien sûr. Tant que là, il ferait bien. Faut bien, nous, 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 Kuji Kansumula, Kuji Hitabin. Vous avez Kansu au-dessus des genoux. En Kansumi. Kansumula, Kuji Hitabin. Talangazumid. Kimwendo wendo kombo, bobo wendo kombo, bobo beto. Ça, c'est un dogme, une exagération. Bobo kunga les citations. Bobo kwambeni. Fayi brana me jamwama waba mononi nkansumili. Même nous avons une belle citation chito. Belle yons. Nkansumula nkumaka sakutu. Ne coupez pas la citation. Qui change du bénéfice de Moïse? Ils ont coupé la citation de Moïse. Ne coupez pas la citation. Kanzumula, ne comaka sakuto. Bisabato non est léger. On dit non. Kuji payi ya mama ouvrin kanzumula. Ajoutez aussi ni dans vos cabidi comment que ça vous tourne on a la bisabat dit bah la vision devient complète nous nous étions quoi nous étions quoi donc j'ai dit tout ça pourquoi pour vous montrer que à la parole de Dieu il n'y a que la parole et elle seule qui peut vous donner la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand nous sommes au coup, quand la franchise pour du chintuchukwabuto, il n'y a que la vérité et la parole est la vérité. Quand chintuchukwabuto, tu te il nous faut formater les disques durs. Bon, je mon message. Tout cas, Bobo et je tourne tout au bout. Tout hit. Ah non, qu'est-ce reprogrammer. Pourquoi reprogrammer bimpa tous les quels disent ensemble Jones du Belangayad. Il m'a bien coucou quoi tu chez l'élo, mais ma la bonne bécou quoi tu chez Zambia nous bénissons de Malaïko. N'était Malaïko. Dieu m'a.
tatu wetu nmukalenga wetu nje nkusengelela mudi tukojijalelo pour cette petite instruction que j'ai commencé ndi nkusengelela mukalenga wachijila bwanu wewa ukwachisha bantu beba chintu chimo chindi njinga ni chindi nkaba ni chekala mu bantu beba anujiidi ya banzambi kwa mujulu ande woru wajiji ya bakato mchintu chikwabu chitu bamani ya tope ndi mkusengelela wewa kwa ambeni udu jinga ekelezi ya santash nirid niri yende samblado ke banzambi kwa mujulu wan wewa utufesha ekelezi ya buna mkupe tatu numukalenga wachijila tudituji shamunda machanza chere bamani ya nanzambi kwa mujulu ni waka tumajii wajii kutondofaji ni waka tumajii wajii kutulenge jaji shalanzambi udumani mwakutu kwa chishimu jinde mjaleni mjilure mjaleni bilondisha ni jie editofu mkujumfu tuditujishimunda machanzo chepe ni jie edi wabutu mbibu wa tatu mjina jamukalenga ni musungidi wetu Yesu Kristo toa kulombi nungu amen makusambayi. Ok, tu te conduis quelques messages, on va se retrouver vendredi à la même heure. D'ici là, que Dieu vous bénisse richement.